Salut à tous, petite présentation du vélo électrique pour enfants que j'ai juste de terminer. Alors c'est un petit vélo de 20 pouces, vélo fille bien sûr. Donc ce vélo est équipé d'un petit moteur de skateboard électrique que j'ai installé ici. Donc j'ai fait une petite bride là. Voilà, j'ai mis un équerre fixé à la place de la béquille. Donc ça reste totalement démontable. Donc si je veux revenir en marche arrière, je peux toujours le démonter et enlever tout le système. Il y a juste des colliers à couper. Donc tout ça est démontable. Alors c'est un moteur de diamètre 80 qui fait 36 volts 350 watts. Il est plutôt coupleux. Tac, ici j'ai mon petit contrôleur 36 volts 350 watts. Donc ce côté-là on voit mieux, hein. Là le moteur il est là. Donc ça reste assez discret. Voilà, je fais la mise au point. Donc ça reste totalement discret et c'est plutôt efficace. Je dois avouer que ça marche assez bien, hein. Donc voilà. Alors le contrôleur c'est celui-là. Hop. Donc on peut voir que c'est un 36 volts, hein. 350 watts, 15 ampères. Alors là-dessus, il est vendu avec son écran display LCD. Donc là-dessus, j'ai le power et les trois niveaux de vitesse. Alors pour cette installation, j'ai volontairement pas installé de capteur pas parce qu'en fait l'idée c'était qu'elle puisse faire du vélo sans avoir à utiliser le moteur. Donc l'idée c'est uniquement d'avoir une assistance avec la poignée d'accélérateur. Donc c'est une poignée pouce, hein, d'accélérateur pour il y a un bourdon qui vient me voir là. Donc l'idée est d'avoir une assistance dans les côtes. Donc comme ça, quand elle sent qu'elle a du mal à pédaler, elle peut enclencher le moteur. Donc quand elle pédale normalement, il n'y a rien qui s'enclenche. C'est pour ça que j'ai pas installé de capteur pas au niveau du pédalier. Mais j'aurais pu installer un capteur pas pour que l'assistance fonctionne en non-stop. Donc c'était pas l'idée. Première idée, c'était juste pour aider sur les moments difficiles. Donc voilà. Alors je l'ai essayé déjà et sans pédaler, le moteur suffit largement. Il y a ce qu'il faut. Alors pour le test, j'ai utilisé une batterie de hoverboard de 36 volts. Et à terme, je vais mettre des batteries de lipo de 5 ampères-heure. Donc, on va passer au test. Et puis, vous allez voir que ça marche bien. Donc, c'est une installation à bas coût qui est fait maison, hein. Donc, c'est facile à faire et tout est démontable. Donc vous voyez là j'ai mis ma vis pour tenir la bride du moteur qui est en friction avec la roue arrière. Alors pour faire le réglage, là j'avance ou je recule l'axe de la roue pour avoir la pression suffisante et aussi donner un peu plus de dureté au pneu. Allez, au test. Tac.
Bon, je vais faire avec la vidéo du téléphone portable. Donc ça va bouger un petit peu. Alors j'allume le display LCD. Bon là je suis en vitesse 1. Alors vitesse 1 est vraiment très très lente. Hein. Donc on peut essayer. Tac. Allez hop, poignée de gaz. Là. Pour information, j'ai réglé le moteur en accélération progressive. C'est-à-dire qu'elle va monter tout doucement, puis après monter dans les tours. Donc ça évite des à-coups franches quand on actionne la poignée d'accélérateur. Donc c'est parti pour la vitesse numéro 1. J'envoie les gaz. Hop, c'est parti. Alors pour le coup, je pédale pas, hein, c'est pour la vidéo. À vitesse 1, on est à peu près à 10 km/h. Bon, le compteur et j'ai pas encore étalonné le compteur, et à peu près ça donne ça. Tac, voilà. Hop, allez hop. Bon, second test, je vais passer à la vitesse 2. Alors le meilleur compromis, c'est la vitesse 2. Et hop, c'est parti. Youhou! Impeccable. Alors ça marche aussi bien que le moteur overboard. Je suis assez surpris. Mais par rapport au moteur overboard, il y a un peu moins de couple. Et aussi, l'avantage du moteur overboard, c'est qu'on peut l'avoir pour pas cher. Et donc, le prix du petit moteur de skateboard, cela va vous revenir à peu près dans les 50 €, hein, avec frais de port compris. Donc, l'avantage, et c'est la discrétion aussi, d'utiliser ce petit moteur de skateboard qui est assez puissant, hein, mis en friction, qui se trouve derrière le pédalier, et qui donc l'avantage, c'est d'être discret. Alors du coup, je vais passer en vitesse 3 et vous allez voir que là, ça va décoller. Et c'est parti. Alors, la vidéo se fait sans pédaler. Hein. Alors, je mets les gaz. Alors, ça monte progressivement. Allez, c'est parti. Six. Alors le tout sans pédaler. Alors c'est parti. Là, je remets les gaz. Voilà ce que ça donne à la troisième vitesse. Donc, ça envoie bien. Hop. Le moteur s'enclenche progressivement. Hop, on est parti. Bon, la vitesse est raisonnable, hein, pour un enfant. Donc, on imagine pour faire de l'économiser la batterie pour avoir une meilleure autonomie, bien sûr, il va falloir pédaler avec. Donc là, une petite côte, je fais une petite assistance au pédalage. Allez hop, c'est parti.
max 25 26 km/h. Bon, là c'est un poids d'adulte, hein. Je pense qu'avec un enfant ça va aller un peu trop vite. Du coup, il va falloir que je lui dise de se mettre en vitesse 2, et en vitesse 2 ça passe sans problème. Donc voilà l'installation, hein. Donc tout ça c'est démontable et c'est assez efficace, hein, j'avoue. Donc c'est pas mal du tout pour un vélo électrique enfant. Donc voilà la petite installation simple et efficace. Donc hop, c'est pareil pour les promenades de cet été. Allez, à plus.